Alors, on est reparti. Bonjour Steph, bonjour tout le monde, bonjour à vous, comment allez-vous, bien sûr. On est reparti sur Palworld. Alors, j'ai joué un petit peu ce week-end, j'ai tenté une petite partie multi, du coup, bon, il y a une double partie, quoi. Mais bon, on s'en fiche, hein, ça n'a rien à voir. Par contre, dans la petite partie Viking Island, j'ai joué un petit peu. J'ai modifié la base. Alors, elle n'est pas terminée, mais elle est en cours de construction. Et j'ai capturé un pad que j'ai croisé, un qu'on a déjà, mais qui était rouge au lieu de bleu. Du coup, je me suis dit, tiens, allez, vas-y, on le prend. De toute façon, il est là, je voulais aller farmer du soufre. Au final, il m'a tué mon Maborest, alors je l'ai capturé. Il m'a saoulé, je l'ai capturé. J'ai pas pu farmer, donc j'étais dégoûté. Salut Rex, comment vas-tu? Du coup, je vous montre un petit peu la base. Et après, l'objectif, c'est découverte du désert. Et tentative de capture des espèces du désert, en espérant que ce soit de notre niveau. Ou en tout cas, pas trop loin. On est parti. Êtes-vous prêts? Et en plus, j'ai fait des œufs. On va voir les œufs. J'ai un œuf électrique avec une reproduction. Je ne sais pas ce que c'est. On va le découvrir ensemble. Je crois que je l'ai pas mis. Ah mince, je l'ai pas mis, je crois. Energeti et Gab, bonjour à vous. Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer! Ah, je vous laisse faire, les gars. Je vous fais confiance. Je les laisse gérer. Parce que sinon vous allez voir. Ouais, c'est bon, c'est fini. Êtes-vous prêt à découvrir les nouveautés? Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Déjà, je vous montre l'arrière. Ici. Waouh, comment c'est trop beau. Ce sera la maison. Ce sera la maison à boire. Eh bien, écoute, on boit. Merci beaucoup. Energeti. La petite goutte d'eau. Qui nous permet de démarrer convenablement cette petite heure et demie de live. Ça fait plaisir. Donc là, ce sera notre maison. Donc, ce sera vraiment une maison purement déco. Là où on dort. Et après, on mettra des salles, piano, toilettes, machin, etc. Tous les éléments de déco qui servent à rien, mais qui sont sympas. Hein. T'as prévu quoi? On va aller visiter le désert. Jamais découvert. On va découvrir des nouvelles espèces. Ça va être bon. Ensuite, les nouveautés, c'est quoi? Alors déjà, on a mis un parterre de fleurs. Incroyable, magnifique. Mais surtout ici, du coup, c'est devenu officiellement l'atelier. Hein. Donc on a ici la chaîne de production qui était déjà là. Hein. J'ai détruit ce qu'il y avait... Ah non, elle était peut-être pas là. Hein. Je sais plus si elle était là. Bon, en tout cas, elle est là maintenant. On a l'établi pour construire les recettes des... Hein. Ici, on a l'établi pour réparer au centre. Et ici, on a la pièce des deux chaînes de... Tiens, on a fini le poudre à canon. Parfait. Tac, on récupère. Les deux pièces de... Enfin, les deux chaînes de production... Équipement et armes. Je crois que c'est ça. Ou alors armes c'est là. Non, armes c'est là et c'est sphère de pâle et équipement. Voilà. On n'a pas d'étage. On va laisser comme ça. Faudra qu'on mette l'éclairage, les meubles, machin, machin. Mais tout ça, ce sera plus tard. Tout ça, ce sera plus tard. Pour l'instant, on était en installation et préparation. Parce que au final, on a fait pas mal de transferts. On l'a farmé. Vous avez vu? 125 lingots de métal. Et on a récupéré un petit peu de lingots. Ça fait plaisir. On va ranger ça là-dedans pour l'instant. On en a pas besoin. Ensuite, j'ai même fait un petit peu de sphère. Vous avez vu, 25, 18. On en a un petit peu. Et j'ai pris un niveau. Du coup, on le prend ensemble d'ailleurs. On va prendre en endurance. Hein, parce que c'est un peu la misère quand même. Tac, allez. On se fait attaquer par des ex. Alors, il n'y a pas de crainte. Pourquoi? Parce que bah, vous avez peut-être vu d'ailleurs, j'ai complètement fermé. Là, c'est fermé. Et par là, c'est fermé aussi. Alors, on va quand même y aller parce que ça fait toujours plaisir de les éliminer. Ici, c'est fermé. Vous avez vu? Tac. On l'a fermé officiellement. Et je me suis fait le méga planeur aussi. Le seul souci de ces extrémistes, c'est que. En fait, tant qu'ils sont pas arrivés à destination, on n'attaque pas. Genre enfin, ça pète en fait. Alors, je savais pas que ça pétait. Mais c'est ce que j'allais dire, le souci de ces extrémistes, c'est que en fait le temps qu'ils ont pas commencé à attaquer, mais pas ils attaquent pas. Et comme ils sont coincés. Ah bah j'ai Boucher qui est dehors. Eh Boucher, bah toi! Mais pourquoi tout le monde est dehors? Ouvre la porte! Oh là! Mais ils se défendent pas! Là c'est ça qui est problématique. C'est que mes gars ils se défendent pas. Alors là, c'est 300. Hein. Vous ne passerez pas, Gandalf est là.
Normalement, tout le monde est exterminé. Oh, j'ai ouvert la porte, j'aurais pas dû, mais j'espère qu'ils vont rien me péter à l'intérieur. Ok, c'est bon. Affaire réglée. Voilà, mais cassé. Affaire réglée. On récupère tout ça. Tac, 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 tac. Je sais pas pourquoi tout le monde était dehors, mais bon. On va aller dormir, on voit plus rien. On va aller dormir, on voit plus rien. Salut à TD, comment vas-tu? Il y a un combat pour le monti tactile. Ah, ça marche, merci pour l'info. Ah, et merci Énergétique qui a regardé 3 lives d'affilée. Attendez, parce que du coup, j'ai plus de lit. Ah, il faut que je me reconstruise un lit. C'est bon. Ah, il y a une vis. J'adore. Voilà. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille. Ensuite, du coup, j'ai changé ici. J'ai mis la truc de reproduction. Pourquoi? Parce que la ferme, c'est sympa, mais en vrai, avoir les reproductions là-bas au bout, c'est un peu la misère. Hein, on va pas se le cacher. Du coup, j'ai la zone là-bas, c'est la zone de ferme. Oh, y a... C'est bien, il y a la musique, c'est chiant. Ça me, ça me donne l'impression qu'il faut que je crie. Il y a la musique de combat qui est... Tac, tac, tac. La partie. T'as de nouveau pas là. J'en ai un, mais je vais vous montrer. Après, vous le connaissez, c'est juste qu'au lieu d'être bleu, il est rouge. Donc, c'est le même. Du coup... Hein? Du coup ici on a mis le truc de reproduction parce que c'est important d'avoir le truc directement là, hein, d'autant plus qu'on a énormément de le spécial du passe payant. Pas le spécial du passe pas. Ah oui, le spécial du... Oui, d'accord, ok, merci, merci. Du coup on a la reproduction qui est là, c'est parfait. Et il y a ce petit bâtiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Eh bien ce petit bâtiment, je vais en faire deux. Et c'est le bâtiment d'incubation. Alors là, on a l'incubation pour les œufs qui auront besoin de chaleur. Hein. Et je vais faire un deuxième bâtiment comme ça pour les œufs qui ont besoin de froid. T'as des shiny, j'en ai deux. Salut le programmeur, comment vas-tu? Donc voilà, là c'est un peu décoré et tout. Bon, ça me fait plaisir. L'objectif c'est quoi? C'est de détruire cet énorme bâtiment pour en faire des plus petits. Hein. Donc les pales. Je leur mettrai un endroit où dormir beaucoup plus petit. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un bâtiment aussi énorme. Et du coup, l'étage va être supprimé parce que c'est pour les œufs. Et bah, les œufs, ils seront dans des petits bâtiments qui sont tout seuls. Je vais en faire un deuxième ailleurs. Peut-être à l'endroit de là où celui-là il sera détruit. Voilà. Ça, là, ça va être posé. Enfin, ce truc-là, là, qui dépasse, ça va être posé ailleurs. Mais surtout, la capacité énergétique. Là, ce machin-là, je sais plus comment ça s'appelle. Ce truc machin là, le générateur, et je vais le mettre, je pense, sur la toiture qui est là. Voilà. Ouvre les œufs. Oui, oui, oui. Attendez, je vous montre déjà ce que j'ai fait. Ensuite. Oui. Ensuite. Tac, tac. On va sur le camp qui est juste là. Et du coup, ce camp, c'est un camp spécial. Miel, lait, laine, œufs. Et après, tout ce qui sera des champs. Quoi. Pourquoi? Parce que bah, ça permet d'avoir une quantité de... Regardez. Les œufs. Hop. J'ai mis toutes les caisses autour, comme ça on est tranquille. Et 111 miel. Tac. Fait que derrière, je reviens. Hop. Vous allez voir. Ça a pris combien de temps? Ça m'a pris un peu de temps. Et derrière, là... On... Mais encore! Mais il commence à nous saouler. Regardez. On est en train de faire 18 gâteaux. Incroyable! Incroyable! Et j'ai du stock! 370 miel! Extraordinaire! Attends, mais on n'arrête pas de se faire attaquer! J'ai l'impression que depuis que j'ai mis les murs en pierre, j'arrête pas de me faire attaquer. Trop chiant, ouais. C'est un peu trop, parce qu'ils servent à rien. Y'a pas de danger. Et le truc, c'est qu'on est obligé d'attendre, alors... Misère, quoi. Attendez, bon, on va tester. Parce que j'ai mis une arbalète là-haut.
Protection en cours. J'arrive pas si ça marche, mais après, normalement, il a pas la portée. Mais... Le truc, c'est qu'ils vont toujours au même endroit, en plus. Et là, au début, il se passe rien, voilà. On peut pas attaquer, ni quoi que ce soit. Et là, il se met à attaquer. C'est trop bizarre, en vrai, comme système. Et là ils sont passés à travers parce que j'ai tiré dessus. Trop bien non? Ouais c'est encore un peu bugué hein. C'est encore un petit peu bugué. On va pas capturer les boss, le cheval et le luxe. Ouais mais j'ai envie d'explorer. C'est parfait. Là. Ça c'est fait. Et du coup voilà. Et après du coup... On a, bah, on a la base classique de minage qui est là, bon, c'est du minage. Alors, les œufs. Les œufs, allons voir. Alors, il y en a plusieurs, ça va être les mêmes. Tous les œufs sombres comme ça, là, ça va être les mêmes. Mais je sais plus si j'avais fait la repro, donc ça se trouve, c'est une espèce qu'on a déjà. Découvrons. Ah bah c'est Menasting. Alors Menasting, on va en choper 4, 3. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal pour miner. Hein. Salut Arca, comment vas-tu? Menasting. Parfait. Et Menasting. Parfait. Et là du coup on a récupéré, regardez. Ah bah si, je l'ai sorti. Un gros œuf cliquetant. Qu'est-ce que c'est que celui? Et un énorme œuf feuillu. Énorme, pas un petit. Un énorme, pas un gros. Voyons. Bonsoir, Oro. Énorme, c'est Elisabeth. C'est. Carrément quoi. Je retrouve la fibre en panne depuis le 15 janvier. Oh la vache, la misère. Salut, Oro. Est-ce que tu peux jouer à Jurassic World Evolution 2? J'ai plus vraiment le temps. Pour l'instant. Attention! Oh, Beacon! Semble être étroitement lié à Ragnarok. Sans que ce ne soit le cas, attaque ses ennemis en piqué à l'aide de son bec pointu, tel la foudre s'abattant sur sa cible. Oh, wow. Et j'en ai un autre en plus. Je vais le ressortir direct. Ça, c'est le même. Oh, j'ai Beacon. J'ai nouvelle espèce. Ah, on est content. Et il y a celui qui était là-haut. Oh, je l'ai. Un Wumpo. Wumpo. Oh, tentez, il est incroyable. Non, pas ça. Voilà. Alors du coup, je vous montre. Alors là, j'ai rangé, j'ai trié par mot. Ça a rangé tout le monde. Du coup, on a récupéré Gobfin Ignis. Donc c'est Gobfin bleu, mais c'est en Ignis, quoi, donc feu. Et on a Beacon. Je vais voir un peu Beacon, parce que s'il est stylé et qu'on peut monter dessus, permettez-moi de vous lire, qu'on va s'en servir comme celle. Comme monture. Quoi. Comme monture pour voler lorsqu'il est monté, qu'on fait le type Ignis. Transport level 3. Ouais, ok. Il est pas mal, mais je suis pas non plus bouche bée. Il est sympa. J'aime bien. On va le garder. Après, je suis pas sûr d'avoir la techno Beacon pour faire sa selle. Je pense pas. Hein. Je pense pas. Pile poil, on l'a. J'ai pas de tissu. Mais c'est bon, on a de la laine. Oh, bah, incroyable. Oh là, extraordinaire. Bah, on a notre nouvelle monture. Que le Ragnarok de feu. Non, pas encore. La laine, on en a là. Hop. Tac. On revient. Nettement moins bruyant ici. Tu l'as eu comment accouplement? Ouais! Le Clickty, j'ai eu avec Grisbold et Menasting. C'est ces deux-là qui ont fait le... Bah, celui que j'ai. Beacon.
C'est grâce à ces deux-là. Si jamais vous voulez le faire de votre côté. Melasting et Grisbolt. Alors, ici, tac, tac. Nous voulons du tissu. Boss, mon grand. Soyez impressionné. Tac, 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 tac. C'est ça. Réparation d'armes aussi. Voilà. Je vais réparer ça aussi au passage. Et je vais me faire des munitions. Tac. Et boss. Vous avez tous bossé. Voilà, ça, ça fait plaisir. Et du coup, salle pour beacon ici. Tac. On va lancer la prod. Alors, file-moi un coup de main ici d'abord. Allez, fabrique. Parce que là, ça va se faire tout seul. Les gâteaux, ils sont pas finis. Non, je sais. Mais j'en ai. Enfin, ils sont en train d'en faire 18. On reprend un coup de main ici. Très bien. Et du coup, la question maintenant, c'est qui est-ce qu'on reproduit? Qui est-ce qu'on reproduit? Parce qu'on a 3 gâteaux. 2 gâteaux? 5 gâteaux, pardon. On a 5 gâteaux. Non, pas ça. 5 gâteaux, Je suis allé chercher Melasting. Melasting, du coup, en fait... Quoi, 3 en phare. C'est mieux que Mamores. C'est mieux que Mamores. Je vais virer les Mamores d'ici. Après, les Mamores, ils sont sympas, mais en fait, ils aident vachement en combat. Quoi. Quand ils sont attaqués, il y a un carnage. Oh, yeah. Je vais garder le meilleur des... Voilà, voilà. Pour moi, on a ce qu'il faut. Et on profite pour récupérer potentiellement 124 sans couper ce qui traîne par terre. En train de s'occuper de ce qu'il y a là-bas. Hop, 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 hop. Beacon et Mufasa. Ouais, c'est une bonne idée, mais on va explorer, ouais. C'est une bonne idée, mais j'ai envie de partir avec. J'ai envie de partir avec. Ah, et le feedrun, il me sert plus à rien. Tiens, on va se mettre... Oh, pourquoi pas le feedrun avec... avec Grisbolt. En vrai. Et on va tenter ça. Non, qu'est-ce qu'on en pense? Reviens! Après, j'ai pas fait attention au sexe. Peut-être que ça peut pas passer. Ah, c'est deux femelles. Et puis drade, ça suffit. Bon, je rentre. On ne voit pas le rouge, c'est qui du coup? C'est. Tu sais, c'est tous ceux qu'on avait vu sur la plage en bleu là. Bah, c'est le même mais en rouge. C'est lui. Il était en bleu mais on l'a trouvé en rouge. Donc bon, sympa, mais c'est pas la peine. Alors attendez, qu'est-ce qu'on met? Et pourquoi pas un Robin King?
sympa, Robin Key, en vrai. Azurob, on avait fait. Azurob, on n'a pas fait. Là, je vais mettre Azurob. Pourquoi? Parce que... C'est peut-être nul, hein. Mais si ça me permet d'obtenir un gars... Un gars qui fait... Où? Ça peut être sympa. Merde. Qu'est-ce qu'il fait? Il se barre! Salut Elias, qu'on va-tu? Je prends les 5 les 5 gâteaux et je les mets, ils feront 5 œufs et puis c'est pas grave. Honnêtement, y'a aucun problème. Maintenant on a une production infinie de gâteaux. Ouais, il est marre. Parfait! Eh ben écoutez, on est parti! Les munitions, elles doivent être terminées. On va partir à l'aventure. Déjà 170, c'est pas si mal. C'est un petit peu. Ouais. Toujours partant. Je vais ranger. J'enlève le surplus. Voilà. Faudra que je fasse un rangement dans les coffres. J'ai plus que 125 flèches. J'ai des B. J'ai mon méga bouclier, j'ai un méga planeur, enfin un giga, pardon. Le pistolet rouillé. Ok, hein. Je pense qu'on est pas mal. 319 pas de gamme, c'est bon. J'ai déjà essayé le petit aigle. Non, mais je sais qu'il sert de voile. Mais j'ai pas envie que ça me prenne une place dans l'équipe. Bon, je vous laisse finir le reste. Nous, on est parti. Et du coup, ici, dans le camp, j'ai mis des copiras. Bon, ira. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Gorirat, il fait 3 en transport. C'est pas dégueu. Et avec Anubis qui fait 3 de métal. Après, bon, voilà. En avant! Du coup, l'objectif, c'était d'aller là-bas. On avait été ici. Et on avait vu que là-bas, il y avait un truc incroyable. Donc, enfin, il y avait un désert. On va aller par là. Et là-bas. On avait vu le désert. Tac. On va sortir notre bicade. Ah, il vole. Vous allez me dire oui, mais... il vole pas mal, en vrai. Il vole vite. Je sais pas si c'est un dessert, mais en tout cas, c'était là-bas qu'on voulait aller. J'espère qu'on va avoir des espèces un coup. Il peut planer au-dessus de l'eau. Avec Elfidren, et Elfidren, il se noyait. Donc, j'ai pas pris de tenue pour la chaleur. Eh ben c'est pas grave, on verra. De toute façon, on va vite se rendre compte. Ah, il respire. Oh, il respire quand il stack. Bon, il est extraordinaire, Nicole. Je l'aime. J'ai pas vu ses stats, par contre. Il a pas... Positif, frugal, solaire et isolant. Ok. Toujours ça. On a un autre qui arrive, hein, en plus. Donc, ça lève, ça. Les dunes arides. On a déjà un œuf ici. Un petit œuf sombre. De son classique. J'ai pas trop chaud pour le moment. Allez, Toco Toco, première espèce qu'on croise, on connaît. Hein. Y'a pas de. Y'a pas de problème. Si on jamais par hasard. Si jamais par hasard on croise une zone pour farmer métal et soufre en même temps, je pense qu'on déménagera. Quantité de Toco Toco, c'est sympa les Toco Toco, mais on en veut pas pour l'instant. C'est pas le désert, c'est des dunes. Il va falloir qu'on trouve un endroit pour stepper. Des Toco Toco, ok. C'est que ça.
Oh! Waouh! Qu'est-ce que c'est? Rayhood! 36! Ah, le niveau est un peu élevé. Ok! Alors attendez. Je reviens. Je vais envoyer Anubis, c'était. Il a l'air d'être électrique. Bon, il est électrique. Oh non, Anubis, il s'est repris un arbre. À chaque fois qu'il fait cette attaque, il se plante. Oh, bien joué, Anubis. Oh, les dégâts sont présents. Pas trop fort, hein. Encore un petit coup. Et c'est tout, hein. Oula, tu vas trop fort, Anubis. Tu vas trop fort. Aïe, aïe, il est mort. Bien joué, Anubis. Faire quoi? Organe d'alimentation. Oh, Rayhound. Ok, pas mal. J'avais pas vu le Kratchov. Ah, on s'est coupé les cheveux. C'était... Ah, tu parles de mon pépère? Peut-être que tu parlais de mon pépère. Oh. Et moi, il est calmé. Galerie asséchée. Oh, j'ai une de ces flemmes d'aller. Après, si ça se trouve, en plus, c'est juste un magasin, quoi. Un gars qui vend. Je pense que c'est juste un gars qui vend. Parce que sinon, il sait. Ouais, c'est ça. Ah, il fait un peu chaud. On se dépêche. Salut. Je te souhaite une bonne journée. On repassera, hein. Waouh. Level 44, un peu excessif, hein. Je crois que c'est le plus haut niveau qu'on ait croisé jusqu'à maintenant. Hein. Oh. Ah, du coup, c'est le boss. Ça marche. Intéressant à savoir. Bonne gamme. Kotoko. Level 33. Daisy, level 29. Le niveau est pas excessif. Anubis, on est content de l'avoir ici. Hein, par contre. Doucement, Anubis, doucement. Top. Ça suffit, bien joué, Anubis. Pokémon. Acide. Oh oui, direct. Oh ouais, direct. Incroyable. Anubis go. Oh, stratège forteresse. Souvent attentionné envers les pales isolés, ce n'est qu'une fois que ces derniers prennent conscience. Hein? Ce comportement comme une marque d'amitié qui les frappe d'un éclair. On voit lui. Hein. Ok, exterminé. Merci Anubis. Anubis qui est très utile dans cette zone. Beacon qui est déjà passé level 18, ça fait plaisir. On n'a pas vu de point de spawn pour l'instant. Oh, un œuf électrique. On passera ou pas? Quoi? Gros œuf. Au revoir à la prochaine, monsieur 44. Je vais prendre un peu de hauteur. Hein. Il y a l'air d'avoir un œuf là-bas. Bien de. Oh, il vole. Hein. Oh, il est pas mal du tout, Beacon. Je l'aime bien. Apparemment, c'est le pote de Ragnarok. Bah, si Ragnarok c'est le même, mais en feu, on va être plutôt content. Hein. Ah, du coup, en fait, c'est pas une zone. C'est une zone électrique. Ce serait bien trop. Daisy, c'est bon. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Suzaku 41? Oh, je suis dégoûté, il fait nuit. Y'a pas un point là? Il fait chaud en plus. Oh, si ça se trouve, c'est un rare. Je suis écœuré.
J'ai envie de le tenter, mais il n'y a pas de TP. Ah, lui, s'il est bien cheaté. Bah, dans la zone où, pour le coup, c'est terre face à électrique, ouais, il est pas mal. Il y a des légendaires? Non, il n'y a pas vraiment de légendaires. Ça fait penser aux œufs de Monster Hunter Story, ça. Ah ouais? Pas un point de spawn, là. Vois rien, il fait nuit. Sous à coup. Ah, il a un gros level, hein. Mais je le veux. Ah, il fait froid, maintenant. Bah, attends. Il fait chaud, il fait froid, on ne sait plus. Je suis épuisé. C'est pas chaud. J'ai envie de lui tirer dessus. Ça le touche ou pas? Ok, c'est tout. Bien. Il vient dessus? Il y a Cognito aussi qui est là. Ah mais Cognito on s'en fout. Ok, il arrive, il arrive. On voit rien. On voit rien, je suis écœuré. Y'a pas un truc pour se TP là? C'est que cette zone. Ah, il faut qu'on... Putain, on voit rien. Faut qu'on... Il y a une brume. T'as pas de gigasphère. Si, j'en ai. J'ai fini de manger, j'ai loupé quoi. Bon, on vient de trouver un Suzaku. Il a l'air incroyable. Je le veux. Mais on n'a pas trouvé de point de TP sur la zone. Et il était level 45. Donc il faut qu'on rentre. Pour dormir. On va se prendre tenue froid et chaud. C'est par là Tenu froid et chaud. Comme ça, on revient et on tente. En espérant le croiser. Oh non, il récupère pas quand il stagne en fait. C'est fort. Je le veux. Oh, je le veux, hein. Récupérer ça, c'est toujours fatigué. Après, c'est un level un peu élevé. Ça va être la quête de la vidéo. Du live. Sous à coup, level 45 à capturer. On va se faire exterminer. On va être dégoûté. Oh là là, il monte tellement vite. Oh, Beacon, il est trop bien par contre. Oh, je suis content de l'avoir. Hein. Oh, clairement. On est très heureux de l'avoir. Hein. Tac, tac. Le problème, c'est que j'ai pas de lit. Lit. Pas de laine, c'est pas vrai. Par contre, on se pose un lit, on va le laisser. Il y a full cativa, il y a tous les chats du quartier qui sont venus dormir dans le. Dans la propriété. C'est qui Suzaku? Si tu l'as pas vu, tu vas le découvrir après. Une espèce exceptionnelle. Oh, je peux pas ouvrir. Il y a pas de laine? Je suis écœuré. On a pas de laine là? Oh, ils ont pas ramassé. En fait. Ils ont pas de laine, il me dit. Ils ont pas fait le boulot. Pas presque que je mette un gorirat ici pour filer un coup de main au transport. J'en ai encore des gorirats. Des UFG. Je vais poser le lit n'importe comment, histoire juste qu'il soit... Pourquoi on va dormir à côté de lui ?
côté de nos animaux. Les petits pales d'élite. Je mets mon lit là. À moitié dans le vide. Genre avec vous les petits. Ah, ça sent le fauve, c'est moi. On a un œuf là-bas. Ah, c'est encore un gros œuf sombre. Je peux pas le ramasser. Fini là, non? Ah, mais il y en a deux, mais laissez-moi les ramasser. Deux gros œufs de dragon. Ah, de dragon? Je croyais que c'était sombre. Je vais mettre là. Une heure. Il fait un peu froid. Oh, t'es sérieux? Mais il y a trois bazars d'allumage. Ouais, j'ai l'impression qu'il marche pas le... Je vais leur mettre un feu de camp. Casse, mais attention. Ça marche pas ça, alors pourtant c'est marqué. Hein. Bonsoir Franzini, pas loin d'un monde dévasté par la déforestation avec le départ. Non, c'est que dans le même coin. On les laisse faire 5 œufs. Bon allez, on les laisse faire 5. Je vais récupérer les munitions qui étaient en train de se fabriquer. Et il faut du coup les équipements. Réfrigérant. Et... il faut de quoi avoir chaud, mais je crois que j'ai pas construit encore. J'ai pas eu besoin de, d'armure pour tenir chaud. Armure chauffante. Armure en métal réfrigérante, armure en métal chauffante. La terrasse fer aussi qu'on pourrait se faire. Ouais, sans faire. Ah, ça peut être une idée, parce que si on va chercher Suzaku. Attendez. On sait notre armure. En métal réfrigérante. Non, chauffante. Tac. Tac. Allez, lui, c'est en avant. Parfait. Et là, on va se faire des terrasphères. On va en faire 20. On va en faire 20. Ça va bosser. Merci. Et on prend le relais ici. Ça va, ça fabrique. Peut-être pour une prochaine fois, King Paka et Relaxorius Lux, ça peut être une idée. De toute façon, maintenant, on a œuf illimité, donc il faudra qu'on teste plein de repos. En vrai, je pense que... Enfin, on a gâteau, pardon. En vrai, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire genre... dès que je fais une repro, 10 œufs. Ou non, c'est 4 et 16, 20 œufs. Ça, tu peux déjà en améliorer. Non? Jamais t'en as un bon, tu peux l'améliorer. Là, je les regarde. Mais... il y a aussi des équipes légendaires. Des équipes légendaires. Parfait, on est parti. En avant! Alors, du coup, dégoûté de ne pas avoir vu de point de spawn. Hein. Faut absolument que ce soit notre objectif principal. Trouver d'abord un point de spawn. Comme ça, si jamais on meurt, bah, on peut réapparaître rapidement. Ça se trouve, il n'y en a pas sur le sur cette zone. C'est possible, hein. Ce serait surprenant. Les équipements légendaires. Ouais, les équipements légendaires, mais je suis en... Enfin, je suis level 34 pour l'instant. Oh putain, parce qu'il y a marqué construction. Peut-être la terrasse faire pour le cheval qui s'est pris la foudre.
Bah, c'était pas un problème de sphère, hein. C'était un problème de... On l'a tué à chaque fois, quoi. Ou on a manqué de sphère. Les dunes arides. Déjà, je vais voir si Suzaku est là. J'ai vu que de l'autre côté, il avait l'air d'avoir une tour. Donc à côté de la tour, il doit certainement y avoir... En vrai, instant. Faut juste qu'Anubis il soit pas trop violent. On a compris, Anubis. T'es extraordinaire, Anubis, t'es le meilleur. Prends dedans parce que je suis un malade! Ouais, j'arrive à le toucher déjà. Ok, ça passe pas. Oh, bah, ouais, ça va. Esquive. Il y a Anubis en boss. Ouais. Devient littéralement un éclair lancé en vitesse lorsque deux rayons entrent en collision. Un rugissement semblable au tonnerre retentit. Parfait, ça. Ça, c'est dans la popoche. Deuxième nouvelle espèce. Aucun intérêt. J'ai mis mes œufs. Ah, oh, j'ai pas mis les œufs. J'ai pas mis les deux. Si jamais. Dinosum Lux. À se faire, incroyable. Je suis coincé. Lux, en fait, c'est électrique, quoi. Parce qu'on avait croisé un boss là, Bossanda Lux. Et Lux, c'est électrique, ouais. Du coup, ouais. 37! Bon, Anubis, c'est pour toi. Hein. Anubis? Pas mal, Anubis. T'es bon, Anubis. On t'aime beaucoup. Wow, je sais pas ce que c'était cette attaque, mais c'était beau. Hein. Il est piégé. Encore, Anubis. Une grosse attaque que je vois les dégâts parce que je voudrais pas que tu le tues. Anubis, il est ici. C'est pas trop. Et stop. Il est coincé. Ah, elle en l'occurrence. Oh merde, elle est sortie. Je vais envoyer une gigasphère. Tu m'as fait une farce. Heureusement qu'on a envoyé la sphère de parle. Ah, mais il veut pas. Bon, j'ai envoyé la terre. Je viens de la récupérer. Oh, bien joué. Elle est perdue. Bon, attends, j'ai abusé au bout d'un moment. Faut utiliser tous mes terras pour un tocard pareil. Je l'ai déjà, il s'est juste teint les cheveux. Super. C'est le moment d'escalader. Bon, attends, c'est abusé. Bon, attends, ouais, tant pis, il crève. Bien joué. Il m'a saoulé. On le recroisera, c'est pas lui que je veux pas tout utiliser sur lui. Il y a Suzaku.
Attends. Dinosaur, on l'a déjà. Et Dazzy. Dazzy, j'ai pas regardé ce qu'il fait. Faut qu'on regarde Dazzy ce que ça fait et du coup le cheval électrique qu'on a capturé. Il est là, level 42. Il y a Robin qui itera, ouais, ok. Bon, vas-y, hey, tous ceux qu'on a déjà avec une nouvelle version, on les prend pas. Je vais voir la tour là-bas. Avec un peu de chance, j'ai un peu de chance. C'est gérant. Avec un peu de chance, il va y avoir un truc de TP. Oh, bah, on est pas en rareté. Il y a aussi une ultra sphère, ouais, mais bon. Encore. Ah, tu me diras si la tour elle est là-bas. Je sais pas si c'est plus. Suzaku, c'est étonnant parce qu'il est dans un coin un peu genre. C'est haut quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir de points de spawn. Si je peux me permettre. Oh! Hein? Ça a pas l'air. Hein. Putain, il y en a encore un là. 41, il est un cran en dessous. On va peut-être tenter le 41. Je pense qu'on va tenter de capturer lui. Il y a une petite zone de combat. On peut se cacher dans la forêt. Il y a les Dazzy qui vont nous faire galérer peut-être. Mais, si on les attaque pas, ils vont pas. Regardez. Je tente. Tant pis. Ouah. Oh mais non mais il attaque les... Bah extermine-les. C'est du feu en plus. Enfin c'est un feu, ce sera Yormuntid qui va faire la diff. Je te file un coup de main. Attends, attends. Joué, il a tué Ren Hout, c'est déjà ça. Tu l'autes. Tu l'autes avant que tu crèves. D'où l'autre? Tu lui là. Anubis fait quelque chose. Bien joué Anubis. Envoyeur Yormuntid. Bien. Tirer dans l'arbre c'est un peu. Chouette ça là, Yormuntid, t'es le meilleur. Ça va aller mon pépère. Oui. Oh bien joué, c'est touché. Ouch. Pas encore. Ça va mon Yormuntid. J'ai tenté, il bougeait pas. J'ai l'impression qu'il était KO. J'ai peur, Yormuntid, reviens. Attends. J'ai envoyé Beacon, il fait moins de dégâts. Oh, et Beacon est plus là. J'ai peur qu'il meurt. J'en ai 17. Hein. Suzaku dans la poche. On croyait autrefois qu'il annonçait la saison sèche. Ainsi, les gens cherchaient systématiquement à l'abattre en cas de sécheresse, dans l'espoir d'obtenir une récolte abondante l'année suivante. Oh, on a Suzaku.
Bon, c'est un pas, c'est un anti-irritation. Mais on est quand même plutôt satisfait, ça. Hein. Bon, c'est pas le meilleur, 41. Mais clairement, merci pour les GG. Clairement, on est content. Hein. On va aller regarder ce qu'il fait, parce que ça a l'air d'être un génie. Bon, je suis un peu déçu de la zone, en vrai. Je m'attendais à plus d'espèces différentes. Au final, il n'y a que 3 nouvelles. Quoi. Merci pour les applaudissements. Oh, Suzaku ! On a bien vu qu'on pouvait le tuer. Exterminer l'espèce. Je vais aller chercher l'œuf qui est là-bas. Je vais m'approcher de la tour avec un espoir qui... Et un phare qu'on trouve en fait le désert, le vrai. Oh, lui il est bien. Par contre, bon, la tour on va pas la faire. Parce que vu le level dans le coin, c'est clairement un cran au-dessus. Ah si, il y a une truc de TP, parfait. Tour de la milice populaire. Bon, c'est un boss. C'est un boss où on a... Parce que déjà le volcan, on n'avait pas le niveau alors qu'autour c'était level 30. Là, c'est du level 40. Voilà. Au moins, on a la zone. On va revenir. C'est grand quand même. C'est vrai que la map est grande. Salut Fire en live, comment vas-tu? Je suis level 34. Enfin le voyage rapide. Dans le gros œuf, on peut avoir le dinosaur. Peut-être, effectivement. Voyage rapide, on va rentrer, on va aller voir. Oh mais attends, mais c'est du désert ça, non? C'est un vrai. Après, pour le coup, avec notre gars là. Con. Avec Beacon, tout ce qu'il y a. Il n'y a plus de gâteau. Bon, j'espère que c'est des bons. Hein. J'espère que c'est un bon œuf. Hein. Au pire, on en aura plus. Je vais mettre les autres là-haut. Et après, on va regarder ce que fait Suzaku. Bon, là, normalement, c'est un beacon aussi. Combien de temps? 40 minutes max. On devrait l'avoir en fin de vidéo. J'arrive au moment. Salut, bonjour l'ours. Bonjour l'ours. Bon, quoi? Bonjour. Les 20 minutes, on va voir ce que c'est. Alors, du coup, sous un coup, fais voir. Alors, déjà, il y a Ray Hound. Il fait de l'électricité et on peut monter dessus. Il permet l'utilisation du double saut. Ok, ça. Ah, il est mignon en fait. On va le sortir à la place de. J'ai une vitesse de travail augmentée. Il est quand même plus stylé que notre Zoltog. Il recharge.
j'ai une question sur les œufs. Oui, vas-y, dis-moi. Après, je ne saurais pas y répondre, mais. Ah, il y a Daisy aussi, stratège de forteresse. Ok. Apparaît aux côtés du joueur lorsqu'il est dans l'équipe pour accompagner ses attaques avec des coups de tonnerre. Ouais, ok. Ouais, ok. Et attention, Suzaku! 3 en feu. Pas mal. C'est utilisé comme monture pour voler, les attaques de type feu sont renforcées lorsqu'elle est montée. Bon, du coup, c'est un Suzaku level 41. Il a. Anti-irritation. On verra un peu ce qu'on a du coup. J'ai toujours pas trouvé ce pal là. C'est fort. Level 14, toujours pas croisé. Bon, collier de Daisy, c'est là. Celle pourrait Hound, on pourrait la faire. Après, autant voler. Hein. Fermant. Fermant, fermant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a celle pour Dark Inferno après. 35. Et bientôt. Et Suzaku, c'est 40. Avec le minigun pour Grisbolt et Yarmouti. Ah ouais. Un peu en avance. Comme était un même en pierre avec feu de camp et baril, c'est 50%. Comment faire en sorte que mes œufs de Anubis c'est plus grand? Enfin, ils sont dans une maison en bois avec feu de camp entre eux et ils ont aucun encore froid, je suppose. Je peux pas te dire ça. C'est peut-être plus tard avec chauffage électrique, tu vois là. C'est peut-être grâce à ça que les œufs qui ont trop froid à plus 50 vont. Oh, y a sphère légendaire. Ils vont plus avoir froid, mais je peux pas. Je peux pas te l'assurer. Je peux pas te l'assurer parce que j'ai le même problème. Niveau 41, je suis le. Et tout le toco, ouais, ça me fait. Ah, mais tirer étincelant, c'est carrément moisi en fait. Niveau 41, c'est loin, je suis niveau 24. Ouais, bah ouais, mais c'est peut-être fait exprès, hein. Un baril et un radiateur en plus. On met différents types de sources de feu, mais deux sources pareilles, par exemple, deux feux ne comptent pas. Bah en vrai, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr parce que quand tu regardes ici, vitesse d'éclosion plus 50, pourtant j'ai baril et feu de camp. Donc, ah, le feu de camp compte peut-être pas comme source de chaleur. Mais quand on le met à côté d'un truc qui a froid, ça marche. Donc, ok. Alors, on va continuer l'explo. J'ai envie de changer là. J'ai envie de changer eux pour mettre autre chose. Et t'en as fait qu'un, mais t'es voisin. Tout à coup, on le prend sur nous. Ça veut dire que virer Blaze Note. Parce que c'est feu pour feu. Après, il est coupé quand même. On pourrait monter dessus, ce serait incroyable. Je pense qu'on va le mettre dans le camp. À la place de Bouchy. C'est un peu frais. Alors, au moins, lui, il va nous faire du farming intensif. Le gâteau à vitesse grand V. Très bien. Alors attendez, on fait quoi? Donc pour l'instant, c'est mieux de rester à 50% à 1h20 pour un œuf. Bah ouais, après, j'ai pas de solution. Bon, content.
Ah mais du coup j'ai un beacon. Ah on pourrait mettre beacon avec quelqu'un. Beacon avec pourquoi pas avec Grisbolt hein. Grisbolt. Ah non parce que c'est son père. Sa mère, c'est pas trop. Sa mère. On va le mettre avec quelqu'un. Salut Totor, comment vas-tu? Avec Munaris. Avec quoi je sais ce que je vais faire. Je veux dire pas le Dex. Oh, avec Suzaku. Oh peux pas. Suzaku Grisbolt. Suzaku Grisbolt. Mufasa. C'est vrai qu'il y a Mufasa. Et tu vois en fait là je me dis, si je fais les... c'est les deux plus hauts que j'ai. Si je fais ces deux là, forcément le bébé il est stylé. Attends, on va dormir. Je virais, je vais remettre Anubis. Enfin, Bushi. Bushi à la place de machin. Je vais aller dormir. Il y a un œuf. Enfin, il y a un gâteau. La couille Yarmountid. Vous avez un coup Yarmountid ? Bah, Yarmountid, j'ai envie de le garder sombre. Je peux pas prendre l'œuf en même temps. Enfin, le gâteau. De toute façon, je vais voir, j'ai pas fait gaffe, si ça se trouve, c'est une femelle. Je pourrais pas. Donc, si c'est femelle, femelle. Je mets Yarmountid. Bah, c'est. Je vous mets. Je vous mets votre gâteau. Les espèces, elles sont trop hostiles. Permettez-moi de vous le dire. Parfait. Je vais ranger le surplus de ce que j'ai là. Ok. Bon, du coup, je vais faire une grosse explo là. J'ai envie de trouver le désert. Et il y a le marécage qui est là. Je vais aller par là. Ça, on va découvrir un peu le centre. Et comme on a beacon maintenant pour explorer. Si on croise quelqu'un qu'on l'a pas, on capture. Attends, que je... Si on croise quelqu'un qu'on n'a pas, on capture, mais sinon on avance. On se pose pas de questions. J'ai tout, j'ai les armures pour ne pas avoir froid ni quoi que ce soit. On est parfait. Et il va assez vite. Il recharge vite. Non, il est bien. Il est bien, je suis assez satisfait. C'est pas par là du tout. Après, on pourrait prendre de la hauteur. Hein. On trouverait le désert en prenant de la hauteur. Là-bas, c'est le volcan. Là, c'est de la... Attends, mais il n'y a pas de désert, en fait. Il y a un désert, au moins. Le live dure jusqu'à 20h30. C'est quoi, d'après toi, le moyen que les pales arrivent plus vite au même niveau que toi? Tuer des ennemis ou capturer un max en ayant pas le que tu veux. Bah en vrai faire un boss. Ça prend fou XP. Bah, j'allais dire trop bien mais non. J'ai monté au sommet de la montagne là. Non, il y a un adhérent. Et dire mais ils se battent entre eux. C'est pas les bons. Affichage. Ah. Oh, œuf ordinaire. En fait, il faut tellement d'incubateurs, il y a tellement moyen d'avoir des quantités d'œufs astronomiques. Après, on rappelle que si jamais on trouve un spot soufre et fer, on fera un TP. C'est, on est pas loin de la tour de glace. Oh, il y a, oh, il y a Valet. Bah attends, il y a même un truc de TP. Je l'ai pas vu. Ah,
Ah là-bas. On va le prendre comme ça, c'est fait. Et dès qu'on voudra faire le boss, on pourra se TP. Salut Grizzly, comment vas-tu? Il y a le boss valley. Alors le boss valley, faut voir le niveau. Ok, et là il y a un autre tour vers la montagne enneigée. Ah. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal en vrai, c'est une explo qui nous permet de prendre des points de TP. Il y a peut-être un moment où on va croiser un désert. Les grottes, je les fais pas. Ouais, mon souli. On s'y perd trop pour pas grand chose. Yep. Montagne glacée. Alors par contre, glace, on va peut-être trouver autre chose. Hein. Parce qu'on n'y est jamais allé. Hein. Je vais m'équiper tout de suite. Non, inventaire. Armure chauffante. Hein. Il va faire un peu frisquer là où on le sent. L'objectif c'est pas de rester dedans, mais comme il y a un truc de TP, on va le prendre. Pas une statue. On l'a vu. Je l'ai perdu. Okay. C'est un œuf que j'ai eu? C'est pas celle-là que j'avais vue, mais on va la prendre. Ah, c'est quand même plus plaisant d'explorer avec un truc qui vole. Hein. Combien de statues? Je sais pas. Mais clairement pas au max, je l'ai pas farmé. Cycle. Et par contre c'est le 31, c'est à peu près notre... Ah, chili, incroyable. C'est à peu près notre niveau. Il y a plein de chili ici. Le truc de TP. On va capturer Fox Cycle. Chili, bon, on a le boss à farmer. On va farmer le boss. Alors, Fox Cycle, bien pépé. Il est bon. Hein. Ça, c'est bien. Oh, oui, donc, il est invincible. Il est invincible ou je suis mauvais? Vas-y, Beacon. Ah, ça va aller, Beacon, t'inquiète pas. Beacon est bientôt au décès. Il a tenté de nous... What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était pas prévu ça! Oh les serres de glace! Rindrix! Attends, bah du coup on est parti! On les capture tous! Enfin, tous, peut-être pas mais. Ah oh, bah attends, tu tires sur ton pote! Misère! Faut la voir! Je suis gelé! Oui, oui. Oh, parfait.
Après, c'est... Oh, il est sympa, ouais. Très bien. 28, c'est pas un niveau très élevé, je suis pas forcément obligé d'utiliser ça. Ouais. Oh, j'ai l'impression qu'au-delà du level 30, les sphères de pales bleues, elles servent plus à rien. Mais qu'en dessous, on peut s'arranger. Mais des esquives de génie. Je lui ai mis un coup de tête, ça l'a surpris. J'ai versé le cerf de glace, je suis passé devant. Ça, je l'avais pas vu. Hein. Let's go, parfait. Rindrix. Ces bois bleus transparents reflètent le zéro absolu. Quiconque les touche à main nue verra son corps se figer instantanément. Donc attaquer là ? Oh ça va, hein, on s'en va. Mais c'était pas mon objectif, hein. Moi je cherche pas le froid, je cherche le chaud. Oh là-bas ! C'est des déserts ça ? Mais c'est carrément un désert. Oh, on est parti ! On est parti, en plus il y a un point de TP là-bas. On a trouvé le désert. On fouillera la classe prochaine fois. Mercredi, pourquoi pas. En plus bas. Ok, on est parti. En rentrant, on va pouvoir voir tous nos œufs. Statue de Lifmunk. Rosanda, il est sympa, mais... Ah, attends, on a le désert, ça fait plaisir. Ouais. Oh, bah là. Parfait. Il y avait un autre point à gauche là-bas, on va aller le prendre aussi. Ça, ça nous fait des points... Pour y aller rapidement. Change ton armure avant d'aller dans le désert. C'est pas tout à fait fou. Après là, tu vois, au final, il reste glace et désert. Et après, il y a le volcan. Et globalement, je pense qu'on aura fait à peu près le tour de toutes les espèces qu'on pourra trouver. Hors boss éventuel. Des fruits du démon. Yo. Yo. Alors, où était le point de... L'arbre géant. Ouais, il y a l'arbre géant à aller voir aussi. Il est là-bas où... Enfin, on va pas tout faire aujourd'hui. Le but, c'est de se garder des étapes, quand même. Moi je voulais le désert, mais parce que je pensais que là où on est allé chercher Suzaku, du coup, c'était le désert. Au final, c'était les dunes. T'as faim, mon pépère? Tu veux manger une viande? Un peu de pain? Allez, mais c'est pas ton préféré. Hein. Je comprends. Bon, le désert est là? Ah, le désert est là. Parfait. Merde. Alors, ce serait bien directement de voir un truc pour se TP. Il y a un gars qui veut nous tirer dessus, mais on s'en va. C'est clairement une architecture de désert, ça. Oui. Ça n'a pas l'air immense. Ça me surprend un peu, mais...
désert, ça. Attends, il y a des cactus. Comme dans les dunes. Sauf que là, il n'y a pas de dunes. Oh! Ah! Dumud! Alors, Dumud, on l'a eu en œuf, mais... Ah, il y a lui aussi. On l'a eu en œuf, mais on l'avait pas croisé encore à l'état sauvage. Oh, qu'est-ce que... Dictoise, level 21? C'est pas énorme, en plus. Ah, c'est terre! Ah, attends, Wouah! C'est ça. C'est pas trop fort, hein? Ouais, ok, bon, je laisse encore y aller un petit peu, mais pas trop, hein. Juste un coup. Oh, je fais attaque tourniquet. Bon, ça a pas l'air très élevé. On est dans une zone à d'autres niveaux. Pour l'exploration, c'est très bien. On va voir de recharger un petit peu mon pistolet. Capture et farme le métal. Ah ouais, bon, après on a le farming de métal. De toute façon on a le scorp. On a 17 000. Ça va passer. De toute façon j'ai 580 paires de pales et il faut qu'on les utilise. Il t'approche de plus en plus, il va me lécher. Ça va, mais... Ah, dans la poche. Chef d'extraction, il existe un conte, le Dictoise Foreur. Une histoire à la morale où les Dictoises avec la capace et la foreuse les plus puissantes seraient mis en question. Mégasphère, non, c'est un niveau 20. Parfait. Alors par contre, si ça farme, si on en croise d'autres, on peut le prendre. Après, faut voir à quel point ça farme, mais bon, on pourrait remplacer aussi sur le camp principal. Okay. Oh, il y a un gros œuf là-bas déjà. Oh, il y a un atle là-bas. Pour l'instant, le reste. Mais Toko Toko, ils sont partout. C'est une invasion. T'arrives dans une zone, il y a des Toko Toko. Il y a un autre œuf là-bas. Mounted, c'était pas folichon ça. T'as tout mis à côté. En avant, pépère. Ok, c'est pas mal. Fais ta grosse attaque de sphère d'eau là. Oh, il a mis dans la plan. Putain, mais il y a un UB, s'il se promène comme ça, il avait 47. Gardien du soleil ténébreux. Putain, il arrive et va nous mettre une tarte. Les gars, ça commence à bien faire ce qui se passe par ici. 47. Il brûle en plus. Il vient nous chercher, hein. Je suis un arbre. Attends, mais c'est un boss. Oh, si j'utilise une terra, c'est pas grave. Il va nous mettre une tarte, Anubis. Ok, c'est bon là. Je vais le surprendre. Maman ? Ah ouais, c'est le boss. Il y a le boss, Anubis. Le boss Anubis, level 47. Bon, bah non, merci. Je te souhaite une excellente continuation, mon grand. Je ne faisais que passer. Ça, c'est un quasi one shot hein, quand on voit la puissance qu'il a. Bien joué mon petit Bicol. Il y a une énorme statue d'Anubis. Il y a une énorme statue d'Anubis. Oh ouais, wow, j'avais pas vu. Carrément stylé. Oh le mec il a un melon.
Le mec a un melon. Rarement vu ça dans l'histoire. À part moi, je pense que... Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quoi dans la cage? Ça va les gars. Et c'est une flambelle ou je sais pas quoi. Ça fait... Bah écoutez, le désert au final il y avait... Bah il y a celui... Il y a Magikarp du désert là. Là. Du mude. Qui est sympa, mais bon, on l'a trouvé. Enfin, on l'a eu en œuvre. Donc... Et du coup, Tortoise ou je sais pas quoi. J'ai envie de voir ce qu'il ferme. Lui, on l'avait trouvé dans un dans une grotte. Il y a du soufre. C'est vrai qu'on a... On n'a pas trouvé une zone de ferme... efficace que là où on est. Enfin, j'ai pas vraiment cherché ça non plus. Gros œuf chaud. Non mais Dubis, on a le boss level 47. Bon, c'est pas maintenant. Quand on pourra le faire, on aura une équipe, je pense, très stylée. Déjà que là, elle est stylée, je trouve. Ah mais on est arrivé là. Ah bah oui parce qu'on était parti là-haut et de loin on a vu le désert. On va essayer de rentrer par là. Comme ça on découvre ce qu'il y a dans cette zone là. Si on voit un point de TP bon. Je vais passer par là. Je vais prendre ça parce qu'après le jeu c'est trop bien. Et on va aller voir tous les œufs qu'on a trouvés. Ils doivent être éclos là. C'est pas le bon. On mettra tous ceux qu'on vient de récupérer. Il n'y aura pas eu de combat de boss, mais pour le coup, il y aura eu des belles découvertes. Là, au niveau ressources, pour le coup, on est vallée au bambou. Ah, du coup, nouvelle zone, ça peut être nouvelle espèce encore ? Des oui, bon ça on connaît. Ah, il y a un œuf électrique. Ah, il y a un boss. Oh, il y a une statue. Je vais chercher l'œuf électrique là. Ouais, clique-t-on. Domaine du ptérosaure. 23. Bon vas-y on le fait hein. Attends. C'est même pas ce que c'est, Quiverne. Bon allez, let's go. J'ai dit il n'y aura pas eu de boss, mais il y aura eu un boss. Oh, il est trop mignon, Quiverne. Oh. En avant, Beacon. Extermine-moi cette espèce. Molo molo hein, quand même. Pokémon. Tu sais que Quiverne, enfin Beacon il est trop bien en vrai parce que je suis en train de me dire je vais utiliser une tactique là. Vous allez être choqué. Non, reviens parce que ce serait dommage que tu meurs. Vas-y Blaze Hulk Noct. Doucement les dégâts. Hein. Il a fait une attaque de zone monumentale Blaze Hulk Noct là. Vous faites ça. Il se fait défoncer. Il y a une pluie d'acide qui lui tombe dessus. J'ai pas fait gaffe. Vas-y, Armonted. C'est un ange. C'est Elliot le dragon ange. Vas-y, Armonted. Ils sont tous tombés amoureux. Vas-y, Lunaris. Doucement, Lunaris. Hein. Doucement, Lunaris. Pas mal, ok. Fais peur, Lunaris.
faire un petit coup. Et c'est pas mal en vrai. Hop, on s'arrête là. Monter dessus. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais le stun. Mais ça a pas vraiment marché des masses. Descends. Orange. En vrai, c'est un level 23, hein. on va pas se rater. C'est avec des buts. New versus Lucia. C'est vrai que ça peut faire un peu Lucia. Après, Lucia est quand même plus stylé. Quivern, voltigeur immaculé. On l'aura avec une bleue, je vous le dis. Là, on l'a fait régler. Il peut plus nous mettre de dégâts. Il nous a touché, mais notre bouclier est revenu. Un dégât, on est à 12. Nul pour le vol. Non mais on l'a pas. Première défaite de boss, stratège de forteresse. Utilisé comme oreiller, il vous fera vous sentir au paradis. Mais si votre quivern a un sommeil agité, il vous écrasera et vous y rend. Oh, je suis trop plein. Merde. Attends, vas-y. Ça. Si on peut pas récupérer les trucs, c'est un peu dommage. Parfait, merci pour les GG. Ah, il est mignon, hein. T'as... On rentre. On rentre, on va se TP. Parce que... Il va y avoir une tour dans l'emploi. On va se TP parce que... Je vais pas passer le... Je suis bientôt level 35. Prochain live, on aura la scène de Blaze, enfin de Mufasa. Ouais, je suis 47. Ah, c'est un peu frisqué. Perte de tout pour qu'il fasse jour. L'électrique et mon Sandalux a capturé. Ouais, mais on fera ça la prochaine fois parce que là on va s'arrêter. Oh, c'est un œuf de glace. Un gros œuf de glace. Et Azurob, il s'est planté derrière. Merde, l'inventaire est plein. Alors attendez. On a pas mal de choses à faire. Déjà, on va regarder qui. Alors on a capturé lui déjà, Dictoise, qui est un A3 en extraction. Ouais, ok, c'est pas mal. C'est l'équivalent de notre petit Minsting là. Ouais, ok, bon, c'est très bien. Après, c'est sûr que c'est incroyable en début de partie, je pense. Mais là, nous on a Minsting, donc ça revient au même. On avait capturé d'autres choses, non? On avait pas capturé autre chose? Ah ouais, lui, Rindrix. Et glace et bois. Il est stylé en vrai. On dirait presque, tu sais, les chiens, un chien cerf. Tu sais, comme Lassie. Avec ses grandes oreilles là. Non? Et il y avait un autre aussi, il y avait lui, Foxycle. Qui fait glace. Augmente l'attaque des pales de type glace. Il est mignon aussi lui, hein. Je pense qu'il y a un moment ou un autre, je vais faire ça. Oublie. Ça là, cage d'observation. Vous savez quoi, on va en faire une pour voir. Pal. Cage. Oh, c'est immense. Oh ouais, attends.
fermer les vents. Je la mets ici. Juste histoire de le voir. Ah merde, là j'ai pas. Il faut. Oh, mon inventaire est plein. Bon, ok, allez, on rentre. Tant pis. Évolue de glace. On va regarder le boss. Et après, on va regarder les autres. Le boss, du coup. Oh, il mine aussi. Oh, c'est sympa. Level 2, en vrai, plus 3 en transport. Ça peut être très utile. Hein. Bon, tu... Les attaques de type dragon, ok. Ça peut être très utile. Hein. En vrai, dans la zone de minage, on a besoin de transport. C'est pour ça que j'avais mis Mossanda. Juste pour le plaisir, parce qu'il est quand même sympa. Je vais le mettre. Et toi, t'es à 2, du coup, je vais mettre quoi. Toi, t'as du transport. Ça va, Dictos, on y va. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Il est en train de tout exterminer. Ouais, ouais c'est sympa, ouais. Pensez au data. 166 de minerai. Orange de minerai. Et du coup, on a fait le tour des espèces qu'on avait capturées. Si je dis pas de bêtises. Très bien. La, quoi, la cache soigne instant. Ah ouais? Comment ça va? Oh, il bosse pas lui. 105 minerai. Tac, tac. Tac. Bien retour. On va aller voir les œufs. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces gros œufs de dragon? Voilà, on revient là-bas. Quiver. Ah, du coup, là, c'est 4 quiver. En vrai, pour le bonus XP, tant mieux. Bon, les deux, là, on va les laisser finir. Je vais en reposer, du coup, là. Gros œuf chaud. Œuf chaud. On va aller voir les, là où j'en avais mis. On va récupérer. Salut, pépère, active. La voix te casse. Oh mon pépère. Ah, ici un œuf sombre classique, tout simple. Un cognito. Ah, c'est marrant ça, c'est fait exprès. Un cognito. Un coup. Cognito. Gros œuf sombre, on va le mettre là. Tout ça, c'est des œufs de cliquetant. Ah, ça, c'est les œufs, je crois, qu'on vient de faire. C'est pas forcément. Picote. Tu fais des joltog. Ça va être super. On a fait 5 joltog. Oh, Sparky, Sparky. Ah, bah non, c'est ceux qu'on avait ramassés, peut-être. Une minute. Bah voilà. Là, on s'est galéré à vouloir le capturer. Au final, on a Dinosaurus. Parfait. Je vais mettre le gros œuf cliquant ici. Je vais mettre le gros œuf ordinaire. Je vais mettre un œuf chaud là. Et. On va redescendre. Il y a une rareté sur les œufs, ouais. Allez, gros, rares ou. Enfin, il y a les normaux, gros et énormes. Là, c'est un gros, c'est pas extraordinaire. C'est quand même pas mal. Je vais sortir.
à t'occuper de, des flammes. Peut-être une prochaine fois King Kappa et Relaxorus. On l'a pas déjà fait ça? J'ai un doute. Là du coup on va mettre la feu. Oui. Très bien. En train de faire un top. King Kappa, vas-y on va essayer King Kappa et Relaxorus. King Kappa, King Kappa, King Kappa, King Kappa. King Kappa. King Kappa. Oh bah on a deux mâles et deux femelles. Bon, on met de toute façon pas le porter. De toute façon maintenant on a illimité. Rare et inhabituel et normal. Ah ouais? Mais c'est pas. Ça vient pas de. Il est où bête? Attends! J'ai récupéré des grenades, vous avez vu? On m'a attaqué, il y avait un gars avec des grenades. Mais je peux pas le porter! Oh, mais comment ça se fait que je pouvais aller de loin? Oh bah non, il est massif hein. Ok, restez là. Je vais chercher le gâteau. Avec ce risque, je veux pas faire de bébé. Possible. Hop, très bien. On a Zurob qui est bugué derrière les portes. On va le revenir, on va le ramener. Ça kick à tour de bras la verdâche. Imitation. Ouais, on a plus de problème. Alors les œufs. Tu es arrivé? Les derniers qu'on attendait. Bah lui il est bientôt là. Bon là du coup ça va être un machin là. Elliot. Couille verte. Je viens de la couiller. Le temps que ça prend. Et fouet vert. Il est énorme, ouais, grave. Petit fouet vert. Très bien. Et du coup, en haut, on avait encore un œuf qui s'apprêtait à se terminer. Ah, c'est vrai qu'il est énorme, un Relaxorus, mais c'est le boss, hein, donc. On a exploré, ouais, on a fait quoi? On a exploré. On a exploré des zones. Bah, tous les œufs que j'avais sur moi, ils sont en train d'éclore. Il y en a encore deux ici. Attends, parce qu'il y en avait un qui finissait dans une minute, je vais en prendre un. Bah, je vais prendre les deux, je vais. Parfait. F chaud. La bougie. Ah, Fox Works. On va ranger. Parfait. Eh bien écoute, c'est. Oh là là, regarde ça comme il est beau. On a déjà fini le métal. On ne sait plus quoi faire avec tout ce métal. Oh, ce jeu est trop bien. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochain live,
Ah tiens, il y a machin qui est coincé. De... Attends, Dinosum Lux, là je l'ai pas regardé ce qu'il faisait. Dinosum Lux. Dragon orageux. Avantage des générations électriques par rapport au Dinosum classique. Une épaule. Avantage et coupage de bois. Ouais, c'est sympa en vrai, ça permet de mixer en fonction de tes besoins. Il y a bon chéri qui a été coincé, je pense que c'est lui. Alors c'est elle. C'était ça. Parfait. Et par contre, alors du coup, prochain live, je viens d'y penser. 38, ça peut se tenter. On a fait un boss, ouais. On a fait le boss qui est ici. Là. Quiver. Et on a trouvé le boss Anubis. 47. On a trouvé le boss Vaele. 38. Et comme on est level 30... Oh ! On est passé 35. Ça veut dire que technologie... Nous avons l'incroyable celle pour Dark Kingferno. Ah, il y a encore une chaîne de production de sphère 2. Ah, il va falloir circuit imprimé. Ah oui, ça on n'a pas encore. Quartz et polymère. Quartz, j'en ai pas encore trouvé, découvert. Donc là, on va être dans l'obligation de partir en expo. Il va falloir trouver du quartz. Et on va passer à l'étape suivante. Et la selle pour plus verte, c'est 36, c'est étonnant quand même, parce que... Il est level 23, le boss. Énorme sac de nourriture, ouais. Des sacs de nourriture, en vrai. Ouais. On a le cheval électrique, alors ouais, attendez. Du coup, il y a Mamores, peut-être, on va voir. Peut-être que c'est encore un peu tôt, mais 35 pour 38, ça peut le faire. On peut le tenter. On va tenter le boss Mamores. Il faut qu'on se capture une vol. Officiellement. Ça, on fait ça mercredi. Après, au niveau des boss, on pourrait tenter Vaele qui est 38 aussi. Là, c'est 44, c'est un peu élevé. 47, c'est élevé. Et voilà. Après, on pourrait, par curiosité, rentrer dans la tour qui est là pour voir l'espèce, enfin le gars. Et aller voir aussi dans la tour qui est là pour voir les deux adversaires. Parce qu'on sait qu'ici, ils nous exterminent. Mais peut-être que ici c'est faisable et là presque. Et on n'a pas trouvé le boss qui était dans cette région. Et il va falloir partir en exploration pour trouver du coup du quartz. Ok, pas mal de choses à faire. Ce jeu est vraiment trop bien. Et le désert on l'a fait, hein. C'est là où il y a Anubis. Et on a trouvé du coup... Ah ouais, alors, du coup si t'as pas vu, je te montre qu'ils ont trouvé. Attendez, mais qu'est-ce que c'est ? Et là. On a trouvé. Ce jeu est génial. Ce jeu est vraiment bien. Je suis complètement d'accord. Salut Carex. On a trouvé. On a trouvé. Là. Voilà. Carapuce Bowser. Carabowser. Incroyable. Un farming de métal exceptionnel. Mais attends, en vrai. Il m'en restait un là, non? J'ai mis les deux ici. Ah, il m'en restait un. En vrai, tu peux tellement optimiser au final après. Parce que je suis. Attends, je vais prendre le métal. Non, pas encore assez. Je suis en train de me dire. Ici. J'avais gardé des gars qui ferment le métal. Genre Tomba. Mais Tomba, je peux le virer. Et je le remplace par la tortue géniale, là. Après, Tomba a l'avantage de faire du transport d'eux, mais... on n'a pas trop de galère au niveau transport. Ce jeu est extraordinaire. T'as combien de camps? On en a trois. On a un camp de minage, un camp pour la ferme, enfin les fermes et faire des gâteaux infinis. Et le camp principal avec la recrue.
Oh mais c'est un tout petit œuf, c'est moisi ça. Non, c'est un gros. Ouais, chaud. On n'a pas une place là à dispo vite fait. Parfait ça. Hop, éclosion. Par kit. Ouais, chaud. Ici. Ah, c'est l'arrêt. Et ici. Un loop moon. Par contre, je sais pas dans quel coffre j'ai mis ça. Tac, tac. Parfait. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Rendez-vous du coup mercredi pour la suite avec deux combats de boss. Enfin, trois combats de boss. Mamores 38 à capturer. Vaile à 38 à capturer. L'unicorn ou je sais pas quoi là, à capturer, même si on l'a déjà battu, mais à chaque fois on a manqué de bol. Maintenant, il y aura plus de soucis. Et découverte des boss de tour et exploration pour trouver du quartz. Mercredi, ouais, prochain live. Merci à vous d'avoir été là. Ce jeu est extraordinaire, c'est trop bien, j'aime trop. Et je suis fan. Il faudra qu'on fasse la fournaise améliorée aussi parce que ça va être nécessaire pour avancer dans notre technologie. Petite vue sur Suzaku pour terminer, qui se fait une petite pause dans le coin au-dessus du feu. Regardez ça comme il est beau. Oh, il est incroyable Suzaku. Franchement, les espèces sont stylées. Moi, j'aime beaucoup. Bisous à vous, merci encore. Rendez-vous donc mercredi 19h.